40 fois la haine, une loi vraiment bidon. On nous prend pour des chèvres avec de gros moutons, de gros moutons. Hier la grosse annonce, on n'a rien vu venir. Histoire qu'on nous enfonce pour qu'on puisse plus rien dire. Les Français en colère, on se demande pas pourquoi. Balayer d'un revers, on se prend 49 fois. 49 fois la haine, une loi vraiment bidon. On nous prend pour des chèvres avec de gros moutons, de gros moutons. Et si ça continue, qu'est-ce qu'on va devenir? La France va droit au mur dans un prochain avenir. Les choses ont bien changé, dans le temps c'était plus calme. Les années ont passé, on va droit au placard. 49 fois la haine, une fois vraiment bidon. On nous vendons des chèvres avec de gros moutons, de gros moutons. CFDT et FSU. Le gouvernement a coupé court au débat en déclenchant le 49-3. C'est un aveu de faiblesse et c'est à mettre à l'actif de notre mobilisation. Les tentatives d'introduction de la capitalisation ont été refoulées grâce à notre union et notre solidarité. C'est un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Dans une démocratie moderne et authentique, il ne devrait pouvoir éliminer le dialogue social et le vote du Parlement, souverain en charge du législatif, surtout face au rejet massif de cette réforme. Le gouvernement se radicalise en multipliant les réquisitions et la répression violente des militants syndicaux. Nous ne les laisserons pas faire! Le joueur de casino Macron est, en réalité, défait. Son gouvernement est maintenu en vie artificielle, malgré le rejet de la motion de censure à 9 voix paix. Le président peut démissionner sa première ministre, remanier le gouvernement. Ce que nous voulons, nous, c'est le retrait pur et simple de la réforme. Sondage après sondage, grève après grève, manifestation après manifestation, l'opposition à cette réforme ne faiblit pas. Mieux, elle se renforce. Le gouvernement subit échec sur échec et ne compte plus que sur la répression des colères et des initiatives revendicatives. En vérité, il a déjà perdu. Condescendant, hautain, porte-serviette de la finance, Emmanuel Macron prend donc seul la responsabilité immense d'une facture sociale durable. Plus que jamais, multiplions les actions et la participation à la grève pour obtenir le retrait de cette réforme. Ce qui est encore possible, n'en doutons pas. Ils pourront couper toutes les heures, ils n'empêcheront pas le printemps. On ne lâchera rien. 40 fois la haine, une loi vraiment bidon. On nous vendons des chèvres avec de gros moutons, de gros moutons. Hier la grosse annonce, on n'a rien vu venir. Histoire qu'on nous enfonce pour qu'on puisse plus rien dire. Les Français en colère, on se demande pas pourquoi. Balayer d'un revers, on se prend 49-3. 49 fois la haine, une loi vraiment bidon. On nous prend pour des chèvres avec de gros moutons, de gros moutons. Et si ça continue, qu'est-ce qu'on va devenir? La France va droit au mur dans un prochain avenir. Les choses ont bien changé, dans le temps c'était plus calme. Les années ont passé, on va droit au placard. 49 fois la haine, une loi vraiment bidon. On nous prend pour des chèvres avec de gros moutons, de gros moutons. Regardez,
Camarade, même le musique.